aujourd'hui on va faucher la deuxième coupe de règle à trèfle. Donc là il est 6h30 et je vais partir faucher avec le fent et la faucheuse. Donc là je suis arrivé au champ, donc j'ai réglé la faucheuse, la hauteur et la longueur du troisième point. Donc là on est sur du règle à trèfle, donc on peut voir qu'il y a pas mal de règle à trèfle. C'est versé tellement il y en a. Bon, normalement on aurait dû le faire un petit peu avant. En fait, nous, on fait 3 coupes d'herbe et c'est tous les 45 jours. Donc là, ça fait un peu plus de 45 jours. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de trèfles, surtout. Il y a encore un peu de régras, mais moins. Entre 900 et 1000 tours et je suis à peu près entre 10 et 12 km. Bon, ça va à peu près bien. Et là, il est 5h30, donc là, j'ai fini les champs les plus loin de la ferme. Là, je suis arrivé pas très loin de la ferme. Il y a pas mal d'herbes, c'est à peu près pareil que là-bas, un petit peu moins, mais il y en a quand même pas mal. C'est un peu moins versé ici. Il est minuit, donc mon père est venu me rejoindre avec le 512 et la cune. Et là, on est dans une parcelle de luzerne. Donc on a décidé de mettre de la luzerne. Donc là, il y a 5 hectares. Donc on va faire ça et après, je pense qu'on va arrêter. C'était bien, on a fait les deux tiers, donc demain il reste un tiers. Normalement une petite journée demain, ça devrait aller. Et après mon père lui il va commencer en diète. Donc là on est le lendemain, donc on est dimanche, là il est 20h. Je viens juste de finir de faucher et je suis venu voir mon père qui en est né, comme ça je vais filmer un petit peu. En fait, moi j'ai fauché, c'est-à-dire que j'ai coupé le règle à trèfle. Et mon père, lui, il passe avec un andaineur, c'est deux grosses toupies qui tournent et qui ramènent le fourrage sur un andain au milieu qui fait des longueurs, ce qui fait que ce sera mieux pour ramasser, ça ira plus vite. Parce que si on laisse tout à plat, faut tout ramasser un par un avec l'ensileuse ou même une presse. Et du coup, l'andain, il regroupe pour avoir plus de contenance à ramasser. Fait des assez bons andins quand même.
Et bonjour à tous, donc comme vous voyez derrière moi on est en train d'enfiler, donc là je suis avec le 714 de la Gramme. Donc hier j'ai préparé la Gramme, je l'ai attelé, je l'ai graissé et j'ai préparé le silo. Donc là on est mardi du coup et on est en train d'enfiler, on a déjà fait 14 hectares là. Le silo il se remplit bien, il y avait beaucoup de rendement, tant mieux. Le principe d'ensiler, c'est de récolter les andins et des longues tiges, ça va les broyer et c'est plus facile pour les animaux de le manger. Et du coup, le principe, c'est de le broyer, de le mettre dans des bennes et de le vider dans un silo. Et au silo, il y a quelqu'un qui étale les bennes et qui les tasse pour chasser l'air pour une meilleure conservation. I got your girl yelling Mr. Roboto. I got your girl yelling Mr. Roboto. I got your girl yelling Mr. Roboto. Ready or not, tell him here I come. That girl Rosie, I'm not. I bet that shit gon' come. Il est 18h43, donc on est en train de ramasser les enrobanés. Là on a fait un peu plus de la moitié en ensilage et on va faire le reste en enrobanage parce que le silo est plein, bien plein même. Du coup on est en train de ramasser les enrobanés qui viennent juste d'être pressés parce qu'en fait on est mardi et demain à le Tour de France, donc on ne pourra pas circuler sur les routes. Bon allez, là il est 22h15, donc là je vais chercher mon dernier plateau, donc voilà, ce sera une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, parce que moi j'ai essayé de faire quelques prises de vue. Alors celui-là j'ai bouffé un petit peu quand même, et j'ai essayé de faire dans le même style que la vidéo des foins qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai refait le même style, j'espère qu'elle vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine, salut.